Bagnolet, tout près de Paris. C'est ici que vit Jérôme, un magasinier de 28 ans qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Bah, si je suis encore puceau à 28 ans, c'est que je suis moche et que les filles ne veulent pas craquer pour quelqu'un de moche. Je le vis hyper mal. C'est vraiment un handicap pour moi. La dernière relation qu'a vécue Jérôme a eu lieu il y a 10 ans, lorsqu'il était encore au lycée, et s'est limitée à de simples baisers. Du coup, quand le jeune homme pense au jour où il fera l'amour, il est un peu inquiet. À mon avis, quand je ferai l'amour avec une fille, ça ne durera pas 30 secondes parce que j'ai tellement envie de le faire et que... Voilà, j'ai tellement envie que ça bouillonne en moi et... J'aimerais bien que ça m'arrive un jour de le faire. En attendant de trouver la femme avec qui il fera l'amour, Jérôme a trouvé un moyen original pour s'entraîner. Bah, je fais ça parce que ça fait 10 ans que j'ai pas embrassé une fille et qu'il faut bien que j'essaye sur quelque chose, quoi. Fan de Britney Spears, depuis un an, Jérôme s'est construit une relation virtuelle avec la star en attendant le grand amour. Avec Britney, le jeune homme peut se permettre ce qui semble impossible aujourd'hui. Là, je suis en train de lui caresser ses cheveux. Là, je commence à lui caresser sa poitrine et tout son corps. Elle est en train de me regarder en plus. Elle doit se dire que j'étais un... que je suis beau et tout, que je fais ça super bien. Quand Britney ne suffit plus à combler son imagination, Jérôme a un autre remède. Il regarde parmi sa grande collection de séries et de films des scènes romantiques. En grand fan de Star Wars, il s'inspire bien souvent de ce film culte pour s'imaginer le jour où il passera à l'acte. Bah, quand je m'imagine faire l'amour, je pense à Anakin Skywalker qui embrasse la princesse Amidala et que ça doit être un moment magnifique à vivre.